va parler mode avec un bon plan pour la journée de demain si vous passez du côté du Vieux-Lille. On va tout de suite recevoir sur ce plateau Sandra Tézy et Thomas Dufour. Bienvenue sur ce plateau de Grand Lille TV. Merci. Merci, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes là pour nous parler d'une boutique éphémère. Vous, Thomas Dufour, vous êtes membre de l'association Tremplin de Style et vous ouvrez donc demain toute la journée samedi une boutique éphémère. Qu'est-ce qu'une boutique éphémère et comment ça va se passer? Où ça également? Alors tout à fait. Donc le concept c'est un pop-up show, donc une vente éphémère. 7 créateurs seront présents lors de l'événement qui se déroulera demain de 11h à 19h. Pardon. Alors pour les créateurs présents, il y en a 7, comme je vous l'ai dit. Donc Ulysse qui est un créateur qui lui fait des accessoires pour hommes, donc nœuds papillons, cravates. Toulaine Totem qui fait du prêt-à-porter féminin. Mirage Magique qui est présente ici, Sandra, qui fait du sous-vêtement pour femmes. Obaï Manon qui fait du prêt-à-porter pour enfants. L'eau Création qui, elle, fait du prêt-à-porter avec des à base de motifs africains. Justine Clanquet qui fait des bijoux de mode pour femmes. Et pour terminer, Bol Boss qui fait du prêt-à-porter pour hommes et qui, lui, lance pour l'occasion son premier jean, le jean Big Boy, pour l'événement. Voilà. Donc sinon, pour le lieu, ça se déroulera 14 place Louise de Bettigny à Lille. À l'ébénisterie, c'est ça? Tout à fait. L'ancienne ébénisterie, c'est une boutique privatisée pour l'occasion. Voilà. C'est le deuxième pop-up show de Tremplin de Style. C'est l'occasion pendant toute une journée de découvrir des artistes de la région, enfin en tout cas des stylistes de la région, et puis de se faire un peu plaisir. Ça va, en termes de prix, ça va de quoi à quoi? Alors, quel ordre d'idée en termes de prix? Pour les prix, ça dépend, c'est difficile de vous dire pour être franc parce que ça dépend du type de produit, des créateurs. Notamment pour le jean Big Boy, par exemple, Bol Boys va faire un prix. Le premier jean, si je ne dis pas de bêtises, il sera à 109€ au lieu de 139€. Après, ça dépend vraiment des créateurs. Sincèrement, je ne peux pas vous dire une gamme de prix précise. Voilà. Sandra, pour vous qui confectionnez vos habits, c'est l'occasion de vous faire connaître, d'aller à la rencontre des clients? Oui, surtout à la rencontre des clients, me faire connaître un peu plus dans l'île et puis présenter aussi ma première collection de corsetterie, donc soutien-gorge. Que je destine aux femmes qui ont des poitrines généreuses, donc du bonnet D à G. Voilà, et puis à l'occasion, je ferai des prix également, jusqu'à moins 20% sur les parures. D'accord. Voilà. La particularité de vos produits, c'est ça, ce sont des soutiens-gorge, des sous-vêtements adaptés aux femmes rondes? C'est ça. Très bien. Donc je vais jusqu'à la taille 50. Ouais. Et après, pour ce qui est, on va dire, de la qualité des produits, c'est du Made in France. Et je travaille avec de la dentelle de Calais ou de Caudry. Donc, c'est vraiment des pièces qui sont très sophistiquées, mais voilà, adaptées pour être portées quand même et confortables. Très bien. Voilà. En tout cas, ce sera donc demain pour cette boutique éphémère, le pop-up show Tremplin de Style. Demain, entre 11h et 19h, comme vous l'avez précisé, 14 place Louise de Bettigny dans le Vieux-Lille, à l'ébénisterie. Merci beaucoup, Sandra Tézy et Thomas Dufour. Merci à vous. Merci à vous.